Tu cherches à savoir au kilomètre carré. Oui, combien il y en a. Combien il y en a, donc. Quel est le diviseur? L'apprentissage des mathématiques ou encore du français. Ces jeunes de 18 à 35 ans sont élèves à l'école de la deuxième chance. Éjectés du système scolaire sans qualification, ils sont là pour réapprendre les fondamentaux, des bases très utiles dans le monde du travail. Je suis, par exemple, préparateur de commandes. J'ai besoin de remplir un certain nombre de documents. Cela nécessite forcément d'avoir les bases en français. Donc là, c'est reprendre les mécanismes de base pour compléter ce qui a pu être, ce qui n'a pas été acquis ou ce qui a été oublié. Refaire une division quand on n'en a pas fait depuis la troisième, c'est souvent un peu compliqué. Donc voilà, ça nous permet de reprendre les bases. Sabrina a 25 ans, elle est à l'école depuis le 29 février dernier. Elle est venue avec son projet, celui de devenir préparatrice de commandes dans un drive. Et en 9 mois, elle a appris plus qu'un métier. J'étais chez moi, je faisais rien. Et là, au contraire, ça m'a permis de reprendre un rythme. Donc comme si j'allais au travail, mais au final, non, c'est la formation. Et en plus, t'as appris En plus, j'ai appris un métier. Parce que j'ai fait plus de 10 semaines de stage en drive, donc du coup... Ça m'a vraiment permis d'apprendre le métier comme il faut. C'est Edith Cresson, alors députée européenne, qui a créé en 1997 ces écoles de la deuxième chance. Une école qui permet de redonner confiance à des jeunes laissés pour compte. Et ils ne sont pas exclus. Ils font partie de l'ensemble des gens qui, lorsqu'ils ont à leur portée une information, quelque chose de différent qu'ils ne connaissent pas, au lieu de se refermer et de dire « c'est pas pour moi », vont essayer de s'y intéresser parce qu'ils auront confiance en eux. Parce qu'on les aura pris en considération, on leur a montré, on leur a appris et on les aura rassurés en quelque sorte. À Niort, l'école souffle sa première bougie. Elle a accueilli 93 élèves, une année très positive en résultat. Pour notre première année d'exercice, donc, nous avons quand même 60% de sorties positives donc, qui se répartissent de la manière suivante. Donc 2/3 vers la formation qualifiante ou diplômante et 1/3 vers l'emploi. L'école de la deuxième chance se développe encore en 2017. Le site niortais devrait accueillir 120 élèves.